Bah, moi, c'est Safia Azouz et je suis montrougienne. Alors, je m'appelle Julia Timbert, j'ai 17 ans, bientôt 18. Et moi, c'est Charlotte Boyer, j'ai 18 ans et je suis montrougienne aussi. Très heureux de vous accueillir ce soir ici dans notre belle salle du conseil municipal de Montrouge pour cette traditionnelle cérémonie de récompense aux bacheliers. Donc je vois que vous êtes venus nombreux, merci d'être là. Je m'appelle Sarah Gazelle, donc je suis actuellement étudiante, j'ai 18 ans et je me trouve à la cérémonie de la remise des récompenses pour ceux qui ont eu le bac mention bien et très bien, actuellement à la mairie de Montrouge. Ça fait plus de 20 ans que cette cérémonie existe et chaque année, le nombre de bacheliers qui reçoivent les mentions augmente. Cette année, 136 bacheliers ont reçu bien ou très bien. Alors ce soir, nous sommes à la remise d'une récompense. Une subvention de 400 euros pour la mention bien et de 800 euros pour la mention très bien. Et j'ai eu la chance de bénéficier de 400 euros de la mairie du coup pour avoir eu la mention bien. Ce prix, c'est un accompagnement pour acheter soit un ordinateur, soit acheter quelque chose qui leur servira à payer une partie de leurs études. Et du coup, j'ai été très contente et ça a pu m'aider pour avoir mon outil de travail cette année. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, ça aide, surtout quand on veut entreprendre des études supérieures. Ça m'a permis d'acheter du matériel de qualité dont j'ai besoin, qui va vraiment me suivre pendant toutes mes années, pendant tout mon cursus. Déjà, avoir reçu le bac, je trouve que c'est un grand panel d'émotions, c'est vraiment une énorme page qui se tourne. Avoir eu la mention bien en plus, ça prouve que vraiment mes efforts tout au long de ces années ont payé. Donc. Il s'agit vraiment de valoriser l'effort et la vie de Montrouge sur ce plan et aux côtés des jeunes pour leur montrer que s'ils font des efforts, ils seront toujours accompagnés. Et je voudrais vraiment saluer d'abord les élèves qui ont réussi, tous ceux qui ont été bacheliers et qui ont réussi à décrocher une mention bien et une mention très bien. Et puis remercier les parents que je vois nombreux et souriants. Et le fait qu'une cérémonie soit organisée par ma mairie pour me récompenser de mes efforts, ça m'encourage à travailler encore plus ardument dans le futur, espérant être... Ce dispositif, si vous voulez, il fait partie d'une politique d'ensemble qui consiste à être auprès de nos jeunes. Montrouge est une très belle ville et c'est plein d'enrichissement et plein d'accompagnement, donc c'est parfait. On espère qu'ils se souviendront de Montrouge souvent, voire même qu'ils y restent et qu'on les accompagne encore très très longtemps dans leur vie d'adulte. Ok. Moi, du coup, là, je fais ma première année de STAPS. Et pour faire kiné. Je suis en licence de sciences pour la santé. C'est une licence qui me permet d'accéder en études de médecine. Et j'aimerais évoluer vers un master en relations internationales et en coopération humanitaire pour tout ce qui est protection de l'enfance et dans des organisations internationales. Certains me disent ce qu'ils font aujourd'hui ou ce qu'ils veulent faire demain. Et on les sent assez déterminés et assez conscients de l'avenir. Voilà. Je crois que c'est assez formidable et encore une fois, il faut les encourager. C'est aussi notre rôle ici à la ville de Montrouge. Vive le bac, vive les études, vive le travail. Bonne chance à vous tous dans la vie et vive Montrouge. Bonne soirée.